Bienvenue au jour 1 de 70 000 tonnes de métal. Lundi matin, 14 degrés à Miami, hein, quand même. Oui. Et un verre d'oreille épouvantable dans la tête. Jelly Luba. Toute la faute à Nanseb, tabarnouche. Petit Chris. Mais là, c'est l'heure du café. À fait de l'embarquement, on a décidé de ne pas manger parce que c'est... On fait la grève de la faim, passer cher à Miami, puis on a eu ça. Chris, oui. 4 piastres. 5,50. Un petit cappuccino, ça vient de nous coûter 11 piastres. Il y a des frais de service. 11 piastres US. Oui. Il y a des frais de service de 20 % qui sont chargés sur toutes les factures, outre vos taxes, en plus d'un 2 % de... Tu sais, tu prends pour apporter. Moi, je laisse pas du type pour apporter. Et il y a un 2 % de taxes d'hôtel. Donc, ça, on voit ça partout dans les coins touristiques, mais c'est surprenant. Et là, je sais pas si vous entendez, mais c'est tranquille. Je pense que South Beach se réveille très tranquillement le lundi matin. Et ça me surprend. J'aurais cru que ça allait être plus vibrant pour la grosseur de la ville. Peut-être que le centre-ville de Miami, c'est différent. Mais... Non, on a une main rouge. Ah! Attention, oh oui! Il regarde pas, il regarde son téléphone. Je le sais pas. J'ai un accident de venir. Je suis un vrai touriste. On vient d'arriver au terminal. C'est l'embarquement dans une demi-heure à peu près. Puis Marc, ça se passe un peu comme tu pensais jusqu'à date. Ben, écoute, c'est drôle. Tout est immense. Au niveau, tu sais, on pensait devant les bateaux et tout. Ouais. Moi, je suis juste content de trouver la place parce que c'était pas évident. J'ai un bon feeling. Hein. Oh non, ça sent bien, hein, mais c'est vrai que c'est la démesure. Ça serait intimidant s'il n'y avait pas tous les métallos autour pour se sentir à présent. On n'a rien qu'à les suivre. On sait pas où on va, on suit Chandail Noir. Là, on les a traités d'hostitieux hier, nos lions de la mer. Mais il est 10h30 et ils sont sans bière, là. OK. Mais dis, ils essaient de prouver qu'ils sont pas vieux, là. Déjà leur deuxième bière un matin, bien que ça... Ça prouve à rien, les boys. Ils vont faire une petite sieste en entrant sur le bateau. Les vieux, ils se lèvent de bonne heure et ils se couchent de bonne heure. C'est ça. On a passé le check-in, on a passé ce qu'on pourrait appeler des douanes. Ils ont vérifié nos sacs. Là, on a pris des photos officielles de la croisière et 70 000 tonnes. Et là, c'est l'heure du passage de la passerelle. Donc, on passe de la terre ferme au bateau. Marc filme dans un sens, je filme dans l'autre. Exactement. Oh, c'est parti. Attends, le doublé. OK, next please. C'est parti. Ouh. C'est l'arrivée sur la passerelle. Fini la terre ferme pour plusieurs journées. Ouh. C'est l'heure du bateau. T'as des frissons, Eric? Oui. Bon, et là, on est accueillis par les gars et les filles comment ça se dit, du calendrier. On va savoir des couilles en plein. Bon, ben c'est l'heure de visiter un peu la place avant de se rendre à notre premier point, qui est la salle de presse. Donc, voici un premier intérieur du bateau. J'ai faim. Pardon, Marc, tu me disais? J'ai faim, là. Maintenant que tu as vu le gâteau? Oui, ça ta caméra, là. OK, c'est l'heure d'aller déjeuner. Oui. On vient d'arriver, c'est au niveau 11 et c'est le buffet, le fameux buffet. Fait que comme on n'a pas déjeuné, on a décidé de profiter au maximum de la bouffe qui sera offerte sur le bateau. Fait qu'on se trouve une place. Nos chambres seront disponibles à partir de 13h. Le point de presse également 13h. On a un petit 2h pour manger, relaxer.
Fait que ça va faire du bien. Je nous prends une table, puis on se parle plus tard. California. From California. Hi, Izzy. So, you're like us first time? Yep, very first time. Do you think you'll be a survivor? Oh, yeah. If it's anything like it's been the last 3 days, I'm going to be coming every year for the rest of my life. Oh, you're going to survive it, huh? Oh, yes. Ben oui, il y a encore Frank. Hey, what? Il est partout. Il est partout. Après Infected Rain, parce que là, moi, je me suis déplacé pour Equilibrium et j'ai adoré, déçu de partir avant la fin du show. Moi, je suis resté pour la dernière chanson, puis écoute, c'était de toute beauté, c'était une belle. Il était vraiment bon. La bassiste que je jouais avec une basse qui n'était pas la sienne. Ouais, ouais. T'as pas paru, là? Pas en tout. Hey, ça bouge, genre? Oui, on sent le bateau bouger, là. Là, on est en train de sortir du vent, puis wow! Ça paraît. Et, c'est pour ça que je te souviens, non? Pas encore, ça s'en vient par exemple. Et je pense qu'il devrait avoir un petit peu plus d'harmonie. Tu sais, la chanteuse est capable d'y aller littéral. D'après ça, elle monte dans des notes plus féminines. Je pense qu'un peu d'aide, peut-être de la bassiste ou d'un autre voix. Oui, des bacs vocales. Oui, qui ferait que je pense que ça donnerait encore plus de texture à Infected Rain. Mais vraiment un bon show. Dans une salle minuscule, un riser de 4 pouces, mais ça n'a pas paru. Ouais, non, il faut tout être là. Elle nous a fait asseoir, elle nous a fait sauter, elle nous a fait danser, elle nous a fait tourner en rond. Grosse bête de scène. Ouais. Les gens avaient fait que j'ai adoré. Hey, on les rencontre demain, vous l'entendez? Je sais pas, on va falloir aller voir ça. Moi, je suis allé vérifier. Demain, c'est break. Cool! Bon, ben parfait, ça va vraiment. Ok, faut se trouver des questions, ça? Oui, oui, le vlog. Ok, on va faire qu'on travaille, Colin, dans ce soir-là. La vie est souvent crissement bien faite. Et je cherchais des vidéos de 70 000 tonnes. Je suis tombé sur un gars qui avait filmé Cataclysme. Puis si vous allez voir l'épisode de Cataclysme, vous allez voir qu'on remercie ce gars-là. Vous voyez comment il n'est pas impressionné? On remercie. Carole, man, ça fait combien de croisières que tu fais? C'est ma 10e. Ta 10e croisière? Ok, mais pourquoi tu reviens? C'est comme pour les line-up ou... parce que... Il y a des épées ici, là. Oh oui, ça. C'est tout ça. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Là. Moi, ce que je trouve pas jusqu'à date, c'est que tout le monde est super généreux. Le monde est vraiment très bien. Oui. Puis là, grâce à toi, j'ai eu des astis de beaux vidéos de ta clip. Je suppose que tu vas aller les voir à soir. C'est ça, un peu comme tout le monde. Hey, Carole, tu m'as dépanné sans bon sens. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Carole est aux portes de à 70 000 tonnes de métal. Oui, hey, déçu. J'ai été déçu. Je pense que les gars auraient pu être meilleurs quand ils nous ont annoncé que
Malheureusement, je ne jouerai pas. We are not able to play at this very moment. We're super sorry, we apologize to all of you. L'équipement n'est pas rentré, mais eux, ils ont beaucoup d'échantillonnage, fait que c'est pas possible de faire le show. Fait que, ils ont laissé tomber. Ben voilà, ça explique. Mais on est allé les voir ensuite. Et là, pour ceux qui suivent la chaîne, bien entendu, vous le savez, on vient des voir en novembre à Ottawa. On était dans une petite salle et on s'était dit dans notre épisode, si vous vous souvenez bien, on a hâte de les voir dans une vraie salle avec des vrais métalleux puis du monde qui trippe en fou furieux. Le Brass Monkey, c'est une vraie salle, il y avait des vrais métalleux, mais c'est Ottawa, c'était... L'ambiance était pas fantastique. C'était pas ça. Et là, c'était ça. Là, c'était vraiment ça. Vraiment, on a pris plein d'images, bien entendu, mais les gars, ils ont donné un show extraordinaire. Serenity and Fire, d'un couvert à l'autre, que je n'avais jamais écouté, mais dans lequel j'étais très confortable. Je l'ai déjà mentionné, ils utilisent tous les codes, puis ça rend leur musique facile à avaler. Mais surtout, ils ont fait... Bringer of Vengeance. D'où l'idée pourquoi je suis en sueur et tout mouillé en ce moment. Ça a été vraiment trop sympathique. Tu l'as eu, ta toune? Ben, yes, sir. Fait qu'on fait un petit détour par notre chambre. Hey, veux-tu une pointe de pizza? On va peut-être s'attraper une pointe de pizza, puis on revient pour The Halo. Perfect. Hey, Marc. Je n'ai entendu que des mauvais commentaires où on s'en va, là. Ben oui, il paraît que la pizza n'est pas mangeable ici. On va aller s'en prendre une pointe pareille. C'est gratis. Oh, mais quand c'est pas cher. Quand ça coûte gratis, habituellement, ça goûte meilleur. Oui. Tu sais, il n'y a pas de home. Tu sais, en dessous de la bonne bière. J'ai mangé une grosse claque d'en face, très honnêtement. The Halo Effect, j'ai trouvé ça extraordinaire du début à la fin. Ben écoute, je trouve qu'il y avait beaucoup de similarité avec In Flames. Ah oui. C'est un style que j'aime beaucoup, c'était bien fait, tout était bien rodé. Bon, ça brassait, le bateau il brasse en ce moment là. Oui. Puis à un moment donné, le chanteur il est tombé sur le cul parce que, ben c'est ça, ça brasse. Il y a même un moment donné où, effectivement, ça brasse, mais on était dans la fin d'une chanson, c'était smooth, mais il suivait le rythme des vagues du bateau, c'était merveilleux. Ouais, c'est vraiment bon. Vraiment expérience de ouais, oui, très multisensoriel. Si vous avez la chance de voir The Halo Effect, là, on les a vus en salle, c'est très, très bon. Côté scénique, c'est pas grand-chose, je vous le dis, par exemple. Attendez-vous pas à avoir une grosse mise en scène. J'ai l'impression que même quand ils sont pas en festival, ils vont garder ça de façon très sobre. Mais Halo Effect, c'est pas pour les explosions, les jeux de lumière, c'est vraiment pour la musique. Puis juste, on est allé se brasser à Cataclysme, puis là, on voulait rester tranquille, fait qu'on est resté assis, c'est bon. Fait que, tu sais... Le pit en bas avait de l'air super le fun, puis moins une tuerie que Cataclysme. Ça veut dire oui. Que oh, oui. Les gens étaient plus de bonne humeur. Mais même assis sur les bancs, là, c'était musicalement. Là, excellent. Oh, c'était excellent. On va essayer d'attraper un petit bout de War Kings. On a 15 minutes. On va voir des magiciens puis des vikings. Ouais. Fait qu'on a 15 minutes pour voir la fin du show, on espère.
Et par la suite, ben là, en marchant et en faisant ce petit report-là, j'ai eu un frisson. J'ai croisé un gars de Blind Guardian. J'ai vraiment eu un frisson. C'est cave. C'est vraiment imbécile de ce que qu'on dit. Puis un squelette. Moi, le préféré, c'était ce squelette. Puis une sorcière. Ah oui, la sorcière. Mais... Il y a la sorcière. Bon, on a vu trois tunes. Et j'aime beaucoup reprendre ce que Greg a dit. C'est un groupe où le contenant prend le dessus sur le contenu. Et sur album, je les avais aimés. J'aime le type de musique qu'ils font. Mais quand tu les vois sur scène, ça fait tellement pas sérieux là, que j'ai décroché immédiatement, ce qui est dommage. Tu sais, musicalement, il y a des qualités et tout, mais c'est ça, moi non plus, là, plus là, pour reprendre leur chanson, je dirais « I am glad la hater » The War Kings. Non, mais c'est gladiateur, mais moi, c'est... T'es gladly hater. Oui, donc, oui, t'es heureux de les détester. C'est ça, exactement. Si vous êtes fan de Sabbath Sound, Powerwolf, probablement que vous allez aimer. Si, comme moi, vous n'aimez pas Powerwolf et Sauve-Tang, passez tout droit pour War Kings. Ben, tu sais, hey, tout le monde nous dit « Ah, un gros bateau, ça bouge pas, ça bouge pas. » Regardez, ça bouge pas. Tu sais, ça, c'est l'horizon. Fait qu'on est on pogne la vague, là. On est parti, Eric. On est parti et c'est vraiment cool. On se fait brasser un petit peu plus qu'on pensait se faire brasser, mais quand même. Puis on est proche. On est, je sais pas, le téléphone ne rend pas bien, mais on est quand même toujours très proche de Miami. Ouais, ouais. On vient toujours de partir. Mais ces restants, ces vestiges de coucher de soleil sont particulièrement magnifiques. Ouais, c'est vrai. Je viens de pogner une gang de Sept-Îles! Jacques, Sylvie, Maxime et Jonathan. Nous, on est à Gatineau, Québec. Eux sont à l'extrême opposé du Québec, donc Sept-Îles. C'est vraiment fun de vous voir. Si c'est le premier événement, de 1 à 10. Ouh! 1 à 10. Wow! Bonne choix! Il y a des numéros qui ne commenceront pas de rien. C'est quelqu'un qui vous pense au top 3 thèmes pour la croisière cette année? Moi, c'est Picard. OK. Cataclysme? Yes! Crypto? Ben oui, ben c'est le thème canadien, québécois. I am the night. I am the night. Oh. Vous deux? Ben moi, c'est Picard. C'est Picard aussi? Moi, je suis aussi. Ok, moi je vais aller. Ouais. Je vais changer à Iron Man pour moi, tu vas te dire, il y a raison. Parfait. Hey, un gros merci la gang, bon festival. Which one?
que voguer sur l'eau, je vogue dans les nuages. Hey, c'était meilleur qu'elle oui. OK, on parle du show The Blind Guardian. Et bon, au Hellfest, on avait un show cover to cover là, d'un album, tandis que là, on était beaucoup plus greatest hits. Et personnellement, le show avait beaucoup plus de rythme également, puis ça, j'ai aimé ça. Tout le monde, hey, écoute, moi, c'est fascinant, tout le monde chantait en chœur, là, c'était... C'est pas juste les deux grandes chansons, le Bard Song, voilà. On est vraiment avec des disciples finis. C'est ça qui était peurant. Oui. Il y a trop de monde qui aime mon band. Mon band. Mais non, c'est fou là. Les gens, c'est vrai que les gens qui aiment Blind Guardian connaissent les paroles et chantent en chœur avec le band, malgré que toutes les chansons sont un peu bâties pour qu'on puisse chanter les harmonies dans un show, pendant le show. Mais bon. Ça a été extraordinaire, je pensais aller me coucher après, mais là on s'en va voir Flesh Cut Apocalypse. Hey, je peux te faire des critiques? Non, ça se critique pas chaud là. Vas-y. Il y a deux que j'ai comme un petit peu moins... En fait, en général, j'ai beaucoup plus apprécié que je pensais, donc bravo. Deux petites choses. Le bass drum, je sais pas, des fois il était un peu lourdeau. Ah, ok. Ouais, au niveau du son et tout ça. J'ai pas trippé, je crois que des fois ça cassait un peu. Mais le bassiste aussi, il est très bon et tout, mais tu sais, je veux dire, si t'as un nouveau bassiste dans le band, laisse-les pas juste en arrière, caché, comme s'il fait pas vraiment partie du band. Ben, en fait, il fait pas partie du band. Ben, je trouve ça niaiseux. Comment qu'ils les appellent, là, les shooting guns, quelque chose comme ça, c'est les musiciens qui sont embauchés. Et ce gars-là, même chose que le claviériste, font pas partie du band. Ils sont embauchés. Depuis la création du band, il y a seulement le drummer qui a changé. Mais tu sais, écoute, bassiste, puis en plus, il fait du back vocal, puis tout, c'est comme, ouais. À un moment donné, là. Non, je suis d'accord. Mais non, il fait pas partie du band. Fait que, excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est une critique, je comprends, tant qu'à mettre du monde sur scène, mêlez tous. Bon, ben, on arrive juste à temps pour que je gagne. Ladies and gentlemen, welcome to the apocalypse. Dans la chambre après le dodo. Ouais. On n'a pas fait notre compte rendu de Flesh God Apocalypse hier soir parce que Eric s'est endormi à deux reprises. Dans le show. On a vu trois tounes, j'ai trouvé le moyen de m'endormir deux fois. Mais, on a vu plus que trois tounes, Eric. On a vu au moins six tounes. Là. On a vu 30 minutes. Là. que... Ça veut dire que j'ai manqué des tounes. Mais c'était super bon. Tu sais, moi aussi, là, j'étais fatigué à un moment donné, puis on a quitté un peu avant la fin. Vraiment, c'était extraordinaire. Puis je suis content de les avoir vus au studio B à l'intérieur, parce que le prochain spectacle, ça va être sur le pool deck, mais en milieu d'après-midi, avec le gros soleil. Puis disons que Flesh God, ben, y a plein d'arrangements et tout, chanteuse d'opéra, il y avait le piano sur scène, une ambiance d'apocalypse, là, justement. Mais écoute, la manière qu'ils ont livré ça, c'était vraiment trippant. Ben, Marc me disait, parce que je voulais passer tout droit, je savais que j'étais fatigué, il dit non, ça va être beaucoup mieux en salle.
Puis il avait vraiment raison. C'est sûr que sur le pool deck, ce sera différent. Je les ai beaucoup aimés sur album, mais j'ai moins accroché sur scène. Encore une fois, j'ai l'impression que le contenant m'a fait manquer le contenu. Ah non, non, non. Puis j'avais de la difficulté avec certains moments où, par exemple, le gars au piano, il jouait par exprès des fausses notes. Ça m'agressait. Oui, dans ta tentative de sommeil, ça t'agressait peut-être. C'est peut-être pour ça. Mais dans moi qui voulais rester réveillé, ça me fonctionnait très bien. Mais j'ai trouvé que c'était de très bons musiciens. Je suis persuadé que si j'avais été dans un meilleur état d'esprit, j'aurais préféré. Mais ils auraient bénéficié en fait d'une plus grande scène parce que là ils étaient un petit peu tassés. Ils auraient peut-être mieux pu déployer un petit peu cette ambiance atmosphérique assez incroyable. Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, quand je les ai vus rentrer, je tiens à préciser que j'avais aucune idée de scénographie, qu'est-ce que ça pouvait avoir l'air. J'avais vraiment juste écouté les albums. Donc, des voir arriver costumés, très dark. J'ai bien aimé. Il rentre et dit « Ladies and gentlemen, welcome to the apocalypse. » Et ben c'est ça. Probablement que sur une scène plus grande, cet apocalypse-là, ce sentiment de fin du monde-là aurait été plus vibrant qu'il l'était hier sur une scène qui est grosse comme ça. Mais la foule, même à 1h du matin, était dedans. Oui, là. Oui. Oh, la foule était dedans complètement. Fait que malheureusement, j'ai pas apprécié à leur juste valeur Flash God. Puis après, on est allé se coucher. Les shows continuent jusqu'à 5h du matin. Je ne devais pas avoir grand monde. En tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne. On verra. On va essayer de rester plus longtemps ce soir. Voilà. Compte rendu de notre première journée. Soyons bien honnêtes, nous sommes début jour 2. Compte rendu de la journée 1 hier, on était fatigués, puis mon téléphone m'a comme laissé tomber. Mais c'est pas grave. Marc, toi qui es pas certain du métal sur une croisière. Je suis toujours pas certain, là. Mais regarde, on avait 3 salles hier, le son était bon, même si, tu sais, bon, Infected Brain en première salle, il y avait pas beaucoup de scènes, en fait, fait qu'on avait de la misère à les voir. Mais, tu sais, le son est bon, fait qu'au niveau du rendu des spectacles, en fait, puis il y a une belle ambiance déchaînée. Il y a eu des petits problèmes avec différents groupes. Infected Rain, pas tout le gear est rentré, fait qu'ils jouaient pas avec leurs instruments. Equilibrium a même pas pu avoir son gear, ont pas pu faire le spectacle parce qu'il y avait beaucoup d'échantillonnage et tout. Fait que ça, c'était un petit peu décevant. Moi, j'avais comme hâte que le bateau quitte puis se mette en mouvement. Mais il a quitté juste après que le premier groupe a commencé, fait qu'on était en salle. On ne l'a pas senti, c'est juste plus tard, c'est « Ah shit, ok, on va aller voir dehors ». Mais là, dehors, il faisait déjà tout noir, fait qu'on ne voyait pas rien. Puis là, c'est vraiment ce matin qu'on se réveille, qu'on a la vue, puis là qu'on a une petite idée de… Bon, on est… Qu'on bouge, hein? Oui, on est au milieu de l'océan, c'est sympathique. Moi, ma première journée, je sais pas, je m'attendais à beaucoup d'électricité dans l'atmosphère, dans l'air. La grosseur du bateau, le fait qu'il y ait plein de salles différentes, on dirait qu'il n'y a pas cette électricité-là. On a rencontré des gens, encore une fois, super généreux, vraiment le fun, qui avaient hâte d'être là, qui avaient hâte de participer à tous les spectacles. Mais il me semblait que, contrairement à d'autres festivals où on est allé, il manquait cette anticipation-là des shows. Dans les autres festivals, tu sais, la seule activité que tu peux faire, c'est voir les spectacles, puis manger entre-temps, là, puis c'est tout. Là, c'est comme tu as plein d'activités à bord, tu peux faire plein de gugus, jouer au casino, whatever. Fait que, je sais pas, on dirait que les gens avaient d'autres intérêts des fois. Ben c'est exactement ça. J'ai apprécié le théâtre. Ben, c'est fait pour faire des spectacles. Le Studio B, qui est l'aréna, le son est bien. Par contre, comme tu l'as dit, le lounge, c'est à déconseiller. On voit rien. Mais à la fois la patinoire et le théâtre, vraiment, regarder un spectacle sur un gros siège confortable, un bon son, bel angle de vue, proche de la scène, quelque part,
ça me réconcilie avec vous. Ouais. Puis, tu sais, première journée, n'oublions pas que la scène principale n'est toujours pas ouverte. Donc, le pool deck n'est pas là. Fait qu'il y avait beaucoup plus de monde dans les salles. Puis, le line-up, c'est ce que des survivants nous ont dit souvent la première journée. On met des gros bangs tout de suite. Fait que tout le monde en profite. Là, on se dirige vers le premier spectacle du pool deck. J'ai hâte de le voir. Je me garde encore des réserves sur un festival en croisière. Moi qui étais le plus excité des deux, j'ai hâte de vivre les 4 jours complets. Et après, je pourrais vraiment avoir une bonne idée. Mais pour l'instant, plus ou moins excité après une journée sur 70 000 temps. Ah oui! Yeah!